effectivement, j'ai cette dualité, donc route et mountain bike. Comment c'est possible de concilier les deux disciplines? Ben, ça reste du vélo, hein, c'est deux pédales, une paire de roues et il faut pédaler, donc c'est des disciplines sensiblement identiques, même si le VTT est plus court et plus intense et la route beaucoup plus longue. Il faut s'allouer des plages de récupération par contre pour être performant sur tous les objectifs. Un calendrier estilé et ensuite à nous de choisir les bons événements pour être compétitif au mieux sur ces événements. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qui vous avait donné envie de passer du mountain bike à la route? Ben, découvrir le Tour de France, bien évidemment, une des plus grandes épreuves au monde en cyclisme. Donc je pense que c'était l'élément majeur qui m'a fait passer sur la route. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir au mountain bike? Les Jeux Olympiques, bien évidemment. Comment ça va être possible, sachant que par exemple des sprinteurs qui ambitionnent les Jeux Olympiques de Londres vont peut-être pas couvrir les 3 semaines du Tour de France? Ouais, c'est deux profils complètement différents, je suis pas sprinteur. Mon objectif est en VTT, non pas sur la route. L'épreuve de route sera en début d'Olympiade, le mountain bike en fin d'Olympiade. Ça me donne 3 semaines en sortie de tour pour préparer le VTT. J'ose espérer que ma forme sera très bonne à la sortie du tour. J'aurai plus qu'à transposer cette forme pour l'adapter au mountain bike. Et le Tour de France, l'objectif, ce serait... J'ai édité l'exploit de l'an dernier, faire dans les 10 premiers, ça serait déjà très beau. Entre nous, route, mountain bike, c'est quoi votre discipline préférée? J'ai une petite préférence pour le mountain bike, c'est ma discipline de cœur. Je l'ai pratiqué à haut niveau pendant 15 ans, mais je prends aussi beaucoup de plaisir sur la route. Vous conseilleriez ça à d'autres coureurs de marier les disciplines comme ça, mountain bike, route, au sein d'une même saison? Moi, je pense que sportivement, c'est très intéressant. Ça fait travailler des filières différentes et de doubler les deux disciplines, ça peut permettre d'être encore meilleur.